Il s'est retrouvé nez à nez avec un grand requin blanc et il s'est battu avec lui pour survivre. Abonne-toi et like cette vidéo, sinon une araignée va venir ce soir dans ton lit. Ça paraît fou comme ça, mais pourtant c'est bel et bien une vraie histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Greg Pickering. Dans certaines parties du monde, il y a des requins blancs qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Ces requins sont connus pour leur force et leur agressivité. Et ils peuvent être extrêmement dangereux pour les humains qui se trouvent dans leur territoire. En 2012, un plongeur australien du nom de Greg Pickering a été attaqué par un requin blanc alors qu'il plongeait pour récolter des coquillages. Le requin a mordu Pickering à plusieurs reprises, le laissant avec des blessures graves sur le torse et également au niveau de ses bras. Mais la suite de l'histoire est vraiment incroyable. Pickering ne s'est pas laissé décourager et malgré ses blessures, il a réussi à lutter contre le requin et à retourner sur le bateau. Il a ensuite été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins d'urgence. L'attaque a laissé Pickering avec des cicatrices permanentes, mais il a survécu à l'incident. Cette histoire montre à quel point les requins peuvent être dangereux et pourquoi il est important de respecter leur habitat naturel et de prendre des précautions lorsqu'on se trouve dans l'eau avec eux.